Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle revue de rosage. En fin de semaine, le produit qu'on va utiliser, on va utiliser un savon Soap Commander, le savon Endurance. Le savon Endurance, c'est une version vegan, ok, sans suif. La senteur du Endurance, c'est une dupe reproduction de Old Spice, la vieille version, la version faite par Charlton. La brosse que je vais utiliser, okay, je vais utiliser Fed Rian, ok, est déjà préchargée. Ensuite, le rasoir, on va aller avec le Super Speed Red Tip. Je vais rien que me mouiller la figure, on va commencer. Figure bien humidifiée. Application de figure. Le chargement de la brosse, environ 20 secondes. C'est un savon plutôt dur. Si vous voulez, vous pouvez l'humidifier avant le chargement. Moi, je ne l'ai pas fait. Que ça va très bien, regardez. Pas de problème avec la mousse. Ce qui est intéressant aussi avec les savons Soap Commander, si vous pouvez voir ici la quantité, 6 onces. 6 onces de savon. Si vous regardez le pot, hein, c'est un très gros pot. Mais actuellement, aucun problème avec la mousse. Super facile à monter. Ok, la brosse Fendrian, c'est une brosse synthétique. Mais pour une brosse synthétique, c'est une brosse synthétique de type Plisoft. Allez, elle a beaucoup, beaucoup de backbone comparativement à si vous regardez au produit Razor Rock. OK, première passe dans le sens du grain. Le rasoir, OK, le Red Tip, c'est un 1956. Puis la lame que je vais mettre à l'intérieur est une Gillette Nasset. OK, toute nouvelle lame. Première passe avec dans le sens du poil. Dans ma dernière vidéo, j'ai utilisé le Milord. Qui était actuellement un précurseur du... Qui est un précurseur des Super Speed, de la ligne Super Speed. OK, absolument aucun problème. Le rasoir est un petit peu plus agressif que le Milord. Mais il rase très bien. Très doux. J'aurais peut-être pu hydrater la mousse un petit peu plus, par exemple. Parce que vous voyez, il en reste ici encore collé sur la peau. Peut-être sèche, un petit peu trop sèche. Mais elle offre quand même très belle protection. Bonne glisse. Senteur. La senteur se retrouve environ un 6, 6,5. OK, fin de la première passe. C'est un bon rasage, OK, comme d'habitude. J'aime beaucoup le Super Speed puis cette lame-là. Le savon est très bien fait, ok? C'est encore glissant. Fait que là, ce que je vais faire, je vais aller mouiller la figure, rincer la figure, mouiller la figure, puis on va revenir pour la passe numéro 2. OK? C'est moins de minutes.
Oups, je me suis aperçu que la caméra pas partie. Ok, j'ai commencé ma deuxième application. J'ai remouillé le savon. Ok, puis ça va. Tiens. Quand même en deuxième passe, il est beaucoup plus humide maintenant, mais il est encore très bien. La brosse contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de mousse encore. Ok, comme j'ai dit, c'est une copie de la senteur Scholten. Ok, deuxième passe, on va aller contre le sens du grain. La compagnie qui faisait Old Spice était Scholten. Scholten, je pense milieu des années 90, Scholten ont vendu ou Scholten a été racheté par Procter Gamble. Je suis pas trop sûr. Je vais le mettre en bas dans les commentaires. Ensuite, Procter Gamble, quand ils ont acquis la compagnie, ont changé la senteur du Old Spice. Alors, la senteur courante, okay, n'est pas la senteur originale. Je crois que Scholten, c'était la senteur encore originale. Vous pouvez aujourd'hui la retrouver. Si vous cherchez la senteur originale dans un après-rasage, compagnie indienne Rubicon produisent encore l'après-rasage Old Spice. Qui est presque une copie conforme du Old Spice qu'on trouvait avant le milieu des années 90. Moi-même, je m'en souviens pas. Quand j'étais plus jeune, Old Spice, c'était pas une senteur qui m'attirait. C'est une senteur que j'ai développé le goût maintenant. Bon, pas maintenant, mais depuis peut-être 2-3 ans. Ensuite, vous allez trouver le Old Spice par Rubicon sur eBay. Vous allez aussi trouver de la crème à raser Old Spice. Elle sent aussi comme okay, le vieux Old Spice. Ok, deuxième passe, c'est un beau rasage. Encore une fois, encore un peu de travail à faire ici, mais le rebrousse-poil va s'occuper de ça. Fait que je m'en vais me rincer la figure. Je vais faire ça, puis je vais revenir en faisant sûr que la caméra marche. OK? Donnez-moi une minute. Le visage est bien, okay, bien rincé, bien mouillé. Troisième application. En troisième application, j'aime toujours avoir une mousse qui est plus hydratée. L'idée d'hydrater la mousse, OK? Ça donne une mousse qui est beaucoup plus glissante, puis je recherche la glisse en rebrousse-poil pour éviter l'irritation. Ok, la brosse, absolument aucun problème à contenir de la mousse. Regardez, le 3 passes, là, puis c'est super épais encore comme mousse. J'en aurais pour peut-être un autre. Notre passe 2. Comme j'ai dit, brosse Fendrian synthétique. Le prix est meilleur que Razor Rock. Je les trouve un petit peu plus belles. Et, OK, pour des brosses synthétiques comme le Pissop, là, ils ont beaucoup plus de backbone. Ils sont super intéressantes. On va peut-être bien toujours toucher un petit peu en dessous du nez. Donne-moi une minute.
OK, troisième passe, on va aller à rebrousse-poil. OK, le savon. La performance selon durant le rasage. Excellent. Pour un savon qui est vegan, là. Il utilise l'eau très très bien. Comme là, la glisse qui est laissée sur ma peau là, est excellente. Et Soul Commander, compagnie américaine, ils ont beaucoup de senteurs. Je mettrai le lien. Mettre le lien en bas dans la description. Fin de la troisième passe. Très beau rasage. OK, comme vous avez pu voir, la mousse a été numéro 1. Absolument aucun problème. Je pourrais encore m'ordonner peut-être un. Peut-être une autre, deux autres pauses facilement. Je vais me rincer la figure, puis je vais vous revenir pour la conclusion. OK? Donnez-moi une seconde. Rasage est terminé. Ce que je vais utiliser aujourd'hui, je vais utiliser l'après-rasage Old Spice classique. Okay? C'est fait par Procter Gamble. La version canadienne, la senteur est différente. Ça se ressemble un peu, là, mais c'est pas la senteur du Endurance. Il y a quelque chose qui est plus. Je sais pas si c'est plus de citron. La description du Old Spice, là, l'endurance, là. Se rapproche, ça va un petit peu dans la même ligne que peut-être le tabac, je crois. Ouais, ça se rapproche dans la même gamme que tabac. Pas aussi fort, pas aussi grand-mère que. C'est peut-être plus de floral un peu dans le Old Spice. Lui ici, c'est plus. C'est pas le même genre, c'est. Il y a une base épicée à l'intérieur, une base de bois aussi, là, mais c'est pas la même chose. Présentement, j'ai cette version-là, mais que cette version-là soit terminée, je vais aller acheter la version indienne. OK, fait que cette semaine, ça conclut le rasage. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Soul Commander Endurance. OK, savon vegan. Belle base de savon, comme vous avez pu voir, aucun problème avec ce savon-là. Très très belle performance. La broche, je ne l'ai pas nettoyée. Okay. Brosse Fendrian. Okay, Fendrian. Ça, c'est un marchand canadien. Okay. Belle brosse, un petit peu moins cher que chez Italian Barber. Puis ils ont plus de backbone. Ça fait que si vous cherchez des synthétiques. Puis le backbone, c'était pas ce que vous vouliez. À la voile, le lin. Okay. Le rasoir, Gillette, Gillette Super Speed Red Tip, 1956. Okay. Très beau rasoir. Facile à trouver sur l'Internet. Ils sont pas très chers d'habitude.
lame Gillette Nasset. Très belle lame qui coupe très bien. Ils m'ont donné un très très beau rasage. Le savon protecteur, pas de problème d'irritation. Je me suis coupé ici un petit peu, mais j'avais déjà un bouton, ça fait. Rien de nouveau là. Ça fait que ça conclut le rasage d'aujourd'hui, ok? J'ai vraiment apprécié, c'est un beau rasage. J'adore la senteur de ce savon-là. J'aimerais que peut-être Procter & Gamble revienne avec la version originale. OK? C'est pas possible. On ira chercher un Inde. Je vous souhaite plein de beaux rasages. Puis je vais vous souhaiter une belle semaine. Puis j'espère vous revoir là. Oh non, c'est vrai, je ne pourrai pas vous revoir la semaine prochaine. OK, les deux prochaines semaines, je m'en vais en vacances. Je ne serai pas ici. Je ne pourrai pas produire de vidéo. On va se revoir la fin de semaine du 27 avril, je crois, pour un nouveau vidéo de rasage. OK, d'ici à là, encore une fois, plein de beaux rasages. Amusez-vous bien. Puis j'espère vous revoir. Puis j'espère vous être un petit peu plus bronzé, mais je vous revois vers la fin du mois d'avril. OK? Bye-bye.